Salut YouTube, on est de retour sur Conrad Stevenson Paranormal PI. Si tu sais pas ce que c'est, bah je te laisserai aller voir la vidéo découverte. En tout cas, c'est un jeu d'enquête paranormale qui se veut ultra réaliste, en tout cas réaliste, toute proportion gardée. Pourquoi on est de retour dessus? Parce qu'il y a eu une mise à jour, mesdames et messieurs, une mise à jour qui rajoute apparemment des missions sur la deuxième map du jeu qui est la Pog Street. Mais avant de faire ça, on va d'abord se refaire une petite mission de la première maison, histoire, tu vois, de se remettre dans le bain. Ça fait quand même un certain moment qu'on n'y a pas joué. J'adore ce jeu. Je te préviens tout de suite, le jeu, il a vraiment un pace, comme on dit, qui est très, très lent. C'est vraiment un truc qu'elle réalise. Le fantôme, il ne va pas popper et te faire valdaguer des objets dans tous les sens. On va se faire... J'hésite. On va se faire peut-être le Shadowy Screamer, puisqu'on ne l'avait pas platiné. Donc, on va essayer ça. C'est parti, c'est un jeu qui est sorti le 1er mars, hein, donc soit indulgent, toujours en early access, à 8€ sur Steam. On peut pas jouer en multi. Et c'est un jeu narratif. En anglais, malheureusement. Okay. Okay, donc c'est dans la salle, dans le salon télé. Initially, they didn't believe what they were seeing, but soon became convinced when everyone was witnessing the same thing. At first, this was very startling for them, but now they are more curious. If anything, they want to understand what they are seeing. I'm sure I'll be able to find enough evidence to support their claims and put their minds at ease. Ok, donc en gros, le mec nous dit, il a reçu un coup de fil. En gros, c'est l'histoire d'un mec. Il y a une boîte d'enquête paranormale, tout simplement. Il a reçu un coup de fil comme quoi il y a une famille. Alors, la lumière, c'est qu'elle touche. Voilà. Il a reçu un coup de fil comme quoi il y a une famille qui a l'impression d'entendre des bruits, tout ça, et de voir des ombres apparaître quand il regarde la télé. Et du coup, ils l'ont appelé pour faire l'enquête. Donc voilà ce qu'on fait, chat. On est ici pour faire une enquête. Donc le salon télé est ici. On a à notre disposition une lampe, une caméra qui peut passer en mode infrarouge. Avec X, ouais c'est ça. On a un petit recorder, tu vois. On peut record comme ça. On peut aussi faire, on peut aussi poser des questions. Alors attends, comment on pose des questions? Space EVP session, c'est E. Ok. Alors attends, comment j'enlève ça? Interaction bouton, ah c'est D. Q, Q. Ok. Les touches sont un peu spéciales. Vous voyez, on peut poser des questions. On a un EMF et on a un thermomètre. Voilà, tout simplement. Installez-vous. Le salon est pas mal. Ouais. Et quand je vous dis que c'est un jeu réaliste, regardez. Non mais ça, ça m'a trigger de ouf. Quand vous prenez l'EMF, par exemple, là, vous avez rien. Et quand vous approchez d'un objet électronique, vous avez l'EMF. Tu vois, ça prend en compte les charges électromagnétiques des objets. Regardez le frigo. Je monte à 4. C'est un truc de ouf. Et quand vous prenez le thermo, vous êtes à 20 degrés, et quand vous allez à côté d'une source, tu vois, d'aération, regardez, ça descend. Oh, attendez. 15 degrés, on dirait le fantôme, là. Normalement, ça descend pas autant, ici. Hein. Bref. C'est comme en vrai, voilà. C'est un jeu qui se veut réaliste. Et on va essayer de trouver cette shadow figure. Alors, ça peut prendre du temps, chat. Hein. Il faut... Attendez, je monte mon son. Normalement, il coupe le courant, ouais. Mais là, on peut pas. Je crois pas qu'on puisse couper le courant. Attends. What the fuck? Vite, faut que j'enregistre. That's extraordinary. Nice. Ok, donc j'ai enregistré un truc audio. Ah oui, il perd pas de temps. Hein. Attendez, là j'ai quelque chose, 19. Vous voyez, c'est le genre de jeu qui est... Ok, là je suis descendu à 15, donc il doit être par là, je pense. Alors, on peut pas mourir. C'est vraiment un simulateur, quoi. Bon, tu vas, Moïgi, tu vas bien? Ok, donc les températures, on est bon. Et à chaque fois qu'on a des trucs, tu vois, des indices... Il écrit des petits trucs sur, tu vois, sur le côté. Ce qui permet de savoir un peu si le fantôme est méchant ou pas. Bref, je vous laisserai aller voir la découverte.
Voilà, donc là, à partir du moment où c'est marqué This must be paranormal, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de recueillir des preuves sur la température. Donc il nous reste encore l'EMF, l'audio et les photos. Donc là, on est bon. On va partir sur l'EMF. Quand tu vas dans Nintendo, tu vois. Mais c'est pas comme Phasmo, hein. Il n'y a pas 600 fantômes différents. C'est plutôt par genre de fantôme, tu vois. Le genre des polters, le genre des machins. Et à terme, le dev a dit qu'à terme, il voudrait que ça soit random, en fait. Là, pour l'instant, c'est scénarisé parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Non, le MF, c'est le frigo. Il va... Oh, ah non, mais c'est la télé, putain. Il va apparaître devant nous, on va rien comprendre. Des bisous, tu dis. Comment tu vas à Kara, tu vois. Allez, donnez-nous un signe. Je t'ai dit, c'est très très lent. Je me souviens de cette map. Ouais, non, mais le... Cette... Il y a eu un fantôme sur cette map, je me suis... Oh, j'ai eu un EMF 5, là. Ouais. Merci Lady pour ton follow. Merci Jeannette, Lemmy, Blue Light. Alors, le MF2, c'est l'interrupteur. Ou alors, c'est la prise. On va lui poser une question. Posons-lui une question. Can you tell me your name? Des fois, quand il répond, mais... Can you tell me your name? Pas de réponse. On va repasser sur le MF. À mon avis, il est par là, hein, parce que le MF, j'ai lu ici, et la température aussi. Hein. Il a pas l'air de trop se balader. Et il faut savoir que c'est un jeu qui démarre lentement, mais qui finit en apothéose, tu vois. Donc il va, des fois, il se passe pas grand-chose pendant 5-10 minutes. Et après, il t'enchaîne, tu vas rien comprendre. Bon, tu vas, Lady, tu vas bien? C'est très gentil. Donnez-nous un signe. Des formations professionnelles. Et le jeu est assez joli, moi j'aime bien. Et chaque mission est différente, tu vois. Par exemple, la mission d'avant, c'était à l'étage dans la chambre des enfants. C'était un fantôme qui aimait bien se cacher dans les placards, donc il fallait checker les placards et tout. Je trouve que c'est une bonne idée de faire un jeu paranormal scénarisé, tu vois. Parce que c'est vrai que tous les jeux paranormaux qui sortent, ils sont tous random, tu vois, quelque part. La fouine, merci beaucoup pour ton 15e mois. Je sais pas, le fait que ça soit scénarisé, ça rajoute un truc. La baignoire, elle est stylée, hein. Elle est stylée, la baignoire. Et la douche aussi, hein. Putain. Bref, je crois qu'on avait dit la même chose la dernière fois. Et c'est surtout, c'est les maps aussi de ce jeu qui vont être énormes. Il y aura asile, prison, il y a un phare, il y a plein de trucs. Il a pas l'air d'avoir envie là. En même temps, je crois qu'on est sur une... Wow, on a une porte qui s'est ouverte. Attendez, j'ai entendu une porte. Là, EMF5. Niveau de la porte d'entrée là. Ah putain, je suis arrivé trop tard. Vous l'avez vu l'EMF ou pas? Il a fermé la porte à clé? Merci beaucoup d'escageurs pour les 66 bits. Ah putain, c'est cette porte-là. Vous l'avez vu? Chier, il me l'a pas compté. Ah, tu vois, c'est pas marqué paranormal, donc on n'a pas encore assez de preuves au niveau de l'EMF. Alors, il y a deux genres de personnes. C'est soit t'as les personnes comme moi qui se mettent à fond dedans... Tu vois, qui vivent le truc, ou alors t'as les personnes qui sont un peu. Comment dire? Tu vois, il y a une distance entre le jeu et eux parce qu'ils peuvent pas mourir. Du coup, ça leur fait pas peur. Ok, donc il est pas seulement dans le salon, il a l'air de se balader un peu. Détaché, ouais. Ah, oh, je me souviens de la mission du poltergeist, on était là, il a commencé à faire valdinguer les assiettes qui étaient là contre les murs et tout, c'était nimp.
C'est tellement chié dessus. Attendez, c'est quoi le MF là? Ah, c'est le micro-ondes. Ok. Où êtes-vous? Et en fait, quand, au niveau de la programmation du jeu, c'est plus t'arrives à avoir de preuves avec la température et le MF, plus le jeu s'accélère. Ah, mais moi aussi, je ressens une petite tension, même si on peut pas mourir. Hein. C'est ce silence là. Regardez si je me tais pendant 2 minutes. Donnez-nous un signe. Pas de MF. Où êtes-vous? J'aurais dû l'enregistrer. Attendez. Jiji, yosemase! Donnez-nous un signe. Il a l'air de se balader par là. Hein. Il aime bien cette porte là, ça fait 2 fois déjà. Il y a eu un son, non? Je sais pas, c'est peut-être un son d'ambiance. Je suis persuadé d'entendre des sons. Ouais, on dirait des cris. Là. La porte de la cave. Il l'a ouverte. Ok, à mon avis, c'est pas le bon bail. À mon avis, la caméra, c'est pas le bon bail. Il faut que je reste sur le MF. Ou sur l'enregistreur. L'enregistreur, c'est quoi? C'est 3? Ok. Ok. Molette vers le bas. Ouais, on dirait le cri de la banshee. Ouais. Où êtes-vous? Attendez, j'ai entendu des bruits de pas à la cave? Je vais essayer de lui poser une question à la cave. Is this your home? Est-ce que c'est chez toi? Is this your home? Je vous rappelle que c'est un early access. Mais juste l'idée de base, je sais pas, je la surkiffe. Je trouve ça trop bien. Et on va refermer. Une fois, j'ai refermé la porte, il était derrière. Oh, je me suis tellement chié dessus. Où êtes-vous? Oh, il a allumé là! Et il a l'air d'être très actif dans cette pièce. Hein. Donnez-nous un signe. Il m'entend pas, hein. C'est juste moi qui aime bien le dire. À la cave, elle te met pas bien. La dernière fois, on a eu un démon dans la cave, laisse tomber. Hein. Du coup, maintenant, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis un jeu réaliste. Est-ce que ça le trigger, ça? Ah, on n'a pas de MF, ça fait chier. J'aimerais bien qu'on ait... Il nous met plus rien, là. Ça, c'est la télé à 3. Ouais, c'est la télé. Où êtes-vous? Alors, je monte mon son. Ouais, la dernière fois, on a fait clignoter les lumières et il s'est vénère de ouf. Là, tu vois? Le MF qui est monté à 5, là. Et la lumière, je sais pas si vous avez vu, mais la lumière a clignoté très très vite à un moment. Et c'était pas moi. Moi, j'ai fait à peu près comme ça, tu vois. Et d'un coup, ça fait boum.
Par contre, il m'a pas compté le MF5 là, ça fait deux fois. Hein. Putain, je me suis fait peur tout seul, je crois. Et il est clairement dans cette pièce. Hein. Oh, tu vois. C'est pas. T'as la forme? Putain. Enregistre. Ouais, c'est trop tard, fais chier. Il aime bien cette porte. Hein. Donnez-nous un signe. Après, on est, je crois qu'on est sur une entité intelligente, mais je crois qu'on est sur une ombre. Tu vois, un peu comme ça, là. Donc, c'est normal aussi que la mission, tu vois, elle soit beaucoup plus calme. En VR, mais carrément. Allez, manifeste-toi. J'essaie de rester par là parce qu'il a l'air chaud là. Tu aimes les lumières? Toi aussi tu viens de Lyon. Phasmo, je le fais en VR. Ouais, il y en a plein qui jouent en VR à Phasmo. Moi ça me donne un peu mal à la tête. Ah ça y est, je me souviens pourquoi on n'avait pas platiné cette mission, parce qu'elle était assez longue. Où êtes-vous? Je pense que... Maître... Putain. Ah non, je suis en retard. Eh, le problème c'est que choper une porte... Ou alors si je fais avec la caméra... Faudrait peut-être que je reste avec la caméra. Ce qui est chiant, c'est qu'il met pas, le MF, tu vois, au niveau de la porte quand il l'ouvre. Ça, c'est chiant. Du coup, après cette mission, vous allez voir l'autre map. L'autre map est sympa, elle est plus petite. Et je l'aime bien. Pourquoi je vais pas à l'étage? Parce qu'il est pas à l'étage, le fantôme. Il est pas à l'étage. Où êtes-vous? On va peut-être y aller. Hein. Maintenant que vous avez bien compris comment ça marche, je pense qu'on peut faire la nouvelle mission. L'enregistrement enregistre avant ou en direct? Comment ça? J'ai entendu un toc-toc. Où êtes-vous? Ah, le MF là, je suis deg. Et c'est ça qui est un peu... En fait, le truc, c'est qu'il faut sortir. Il faut se sortir de Phasmo. C'est pas parce que t'as un EMF5 que c'est une preuve. En fait, c'est scénarisé. Donc, en fait, c'est le narrateur qui fait tout seul. Comment tu vas, Dark? Tu vas bien? Il est trop bien, ce jeu. On a entendu une boîte à musique. C'est pas moi qui l'ai ouverte. C'est pas moi qui ai ouvert la porte. Ah putain, si seulement. J'ai pas eu ma caméra, ça fait chier. Là, EMF3. Ah non, ça doit être le frigo à travers le mur. Il a l'air de s'être déplacé, t'as vu, il est plus trop dans la chambre. Bon, tu vas zizouiller, tu vas bien. Bah écoute, je vais très bien. Salut le crabe. J'ai peur de pas être assez patient pour ce jeu. Bah après, ça dépend des fantômes. Là, on est sur le fantôme le plus, on va dire, soft. Holy shit! I'll keep that as audio evidence. Hein? Tu vois ce que t'avais dit? Je vous ai dit, ce jeu, il vous endort et il vous réveille d'un coup. On va essayer un... Alors, normalement, je crois pas qu'il réponde. Attendez. Combien de gens sont ici? Non. Bah si, il est plus soft.
Ah, on n'a pas de réponse. Je vais peut-être essayer de rester à la caméra. Je sais pas pourquoi. Essayer de prendre une porte là. Le problème c'est que il nous faudrait encore une ou deux preuves audio, une photo et au moins encore un EMF pour finir la game à 100%. Après, ce qui est rigolo, c'est que tu peux te barrer de la game en mode « Ouais, bah j'ai rien trouvé. » Et tu te barres, et t'as le narrateur qui est en mode « Ouais, j'avais la flemme de faire la mission. » Ça m'a fait rire. Alors, il y a un truc qui est très flippant, c'est ça. Tellement flippant, ça. Où êtes-vous? Allez, mets-nous un EMF là. Il nous manque juste l'EMF et ça part en couille, je pense. Là, 5 Là. Let's go. C'est bon, on a l'EMF. Regarde, c'est marqué paranormal, donc on est bon. Il nous reste une ou deux preuves audio et la photo. Et on est bon. Let's go, baby. Donnez-nous un signe. Eh, j'entends des bruits, c'est un truc de ouf. On n'a pas entendu de bruit de pas encore. Je suis désolé, je vous ai monté le son à fond hein, pour que vous soyez à fond dedans. Donnez-nous un signe. Non, l'EMF, je l'ai déjà. On va essayer de jouer avec la lumière. Eh, tu vois, c'est réaliste. Oh putain, il a ouvert. Il a allumé la cuisine. Il doit être par là. Il va se montrer. Attends, je crois que je l'ai vu. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Tout ça déjà. Merci beaucoup, Biscuit. Putain, 15 mois déjà. Merci, Ask aussi, pour le 4e mois. Merci à vous. Calme avant la tempête. Moi j'ai entendu une petite boîte à musique, ouais, mais j'ai pas réussi à l'enregistrer. J'ai entendu un souffle. C'est trop faible comme truc. Petit tour à la cave. Où êtes-vous? Le problème des ombres, c'est que la photo est assez dure à capturer. Vous avez entendu aussi. Quand tu vas, Camille, tu vas bien? Bah ouais, t'imagines, ouais, au moment du flash, le truc apparaît. Laisse tomber, quoi. J'adore. L'ambiance sonore de ce jeu est incroyable. On dirait qu'il n'y en a pas. C'est ultra subtil. Donnez-nous un signe. Évidemment, tu fais plus rien là. Hein. Ah, les petits souffles dans l'oreille, ils font mal, ouais. Je suis d'accord. Comment tu vas? Où êtes-vous? Si tu veux réussir la mission, même pas à 100%, il te faut au moins une preuve vidéo. Oh, putain, il a rallumé la cuisine! Ok, il a l'air de s'être déplacé. Au pire, on va laisser allumer, tu sais quoi. Il a l'air d'aimer la lumière. Après, tu vois, je peux comprendre qu'il y a des gens qui s'emmerdent. Je trouve ça complètement compréhensible.
Mais en vrai, quand tu veux faire un truc réaliste, on va pas se mentir que la plupart du temps, il se passe rien, tu vois. Donc, quelque part. Bon, tu vas, Linsky, tu vas bien? Laisse allumer, c'est pas toi qui paye. On peut essayer de laisser allumer, hein. Ça va peut-être le trigger, hein. La boîte à musique, là, vous l'avez entendu, je suis pas fou. Chloé, merci pour ton follow, Chloé. Il me l'a pas capturé. C'est peut-être juste un son d'ambiance. Ah, je sais pas, hein, il fait rien là avec la lune. Putain, j'ai cru le voir dans l'encadreur de la porte. Ça a pas l'air de l'exciter, la lumière, hein. Il faudrait qu'il nous fasse des bruits de pas ou des trucs comme ça. Wow, that's great audio evidence. Putain, je l'ai eu! Il a dit die? Ah ouais? On en a trois, il nous en manque une si on veut le 100% et la photo. Enculé. Je sais pas si ça compte comme preuve. Peut-être que les portes, c'est une preuve audio. Attendez. On va rester avec l'audio et je vais essayer d'être rapide si jamais il se montre avec la caméra. La photo, c'est chaud, ouais, parce que c'est une ombre. Si ça avait pas été une ombre, il se serait déjà montré. Vois, si on arrive à voir la photo, au niveau des notes, il nous dira, je pense que c'est ce genre de fantôme, tu vois. Où êtes-vous? T'inquiète pas qu'il va se montrer. Et quand il va se montrer, on va prendre très très cher. Très très cher. Et je l'ai eu là, il m'a fermé la porte à la gueule. Ok, donc la porte compte pas comme une preuve. Peut-être qu'ils rajouteront une lampe UV plus tard. Genre une porte dans la tête, ouais. Je devrais peut-être rester avec la caméra en vrai. Au cas où, parce que c'est une ombre, il va se montrer un quart de seconde. Donnez-nous un signe. Ah, oh, j'ai hâte de tester la nouvelle mission là sur la map d'après. Imagine, il nous met un polter ou un démon ou un truc comme ça, un truc ultra actif. On va passer. Pardon, j'ai paniqué. Wow, that's great audio evidence. C'est bon, on est à plus de 3, donc on est bon. Maintenant, il nous manque plus que la photo. On l'a vu? Je l'ai pas vu, moi. Le son est pas trop fort, ça va? C'est vrai que je vous ai bien monté le son quand même, hein. Il faudrait qu'il se monte maintenant. Et le problème, c'est que l'ombre, elle va mettre deux plombes. Le son est parfait, ok. Et ouais, et vous vouliez qu'on active les jumpscares. Hein. Où êtes-vous? On va se mettre dans le noir complet. Alors attendez, au niveau du roleplay, ils avaient dit qu'ils arrivaient à apercevoir l'ombre, parce que c'est un jeu qui est très roleplay, hein. La famille a vu une figure au rez-de-chaussée de la maison. Oh, putain, il a allumé. Non, non, reste dans le noir. Ils ont dit au début que c'était quand ils regardaient la télé, ils avaient l'impression de voir une forme
dans une encadreur de porte. Peut-être que si on attend un peu, il va se montrer. Bon, si on reste un peu dans le noir. Où êtes-vous? Oh putain, tu vois, il commence à se vénère là. Il a rallumé la lumière encore une fois. Il nous a fait un son dans les oreilles. Je peux pas allumer la télé, non. Eh, c'est un jeu fait par un étudiant tout seul. Le mec, il bosse dessus quand il a le temps. C'est pour ça qu'on n'y touche pas. Tu vois, on y touche quand il y a une nouvelle mise à jour, après on n'y touche plus. Pour pas se dégoûter du jeu. Ah putain, y a rien. Elle veut pas se montrer. Hein. La dernière fois, je me suis retourné, elle était derrière moi. Oh, j'ai piqué, mais oh là là. J'ai crié, tout simplement. Donnez-nous un signe. Je sais pas pourquoi je sens bien qu'il va allumer la... ouvrir la porte de la cave, là. J'avoue que la photo, la dernière fois, on n'a pas mis autant de temps. Hein. Il me semble pas. Hein. On va rester là, un peu lumière éteinte pour voir. Après tout, c'est une ombre. Peut-être qu'elle aime pas quand on est actif. Faut fixer l'encadreur à côté de la porte. Bah, c'est ce que je pensais, tu vois. J'aurais bien aimé avoir les deux. Le problème, c'est que les... Bah, je peux pas voir les deux en même temps, quoi. Parce que tu regardes la télé, t'es là, quoi. T'es là ou là. C'est une des deux. Ou alors je reste comme ça. Entre les deux, tu vois. Holy shit, elle est devant moi. What a rare experience to take a photo of a ghost. Let's go, baby! Let's go! Je me casse d'ici, des bisous! Ah là là, je vous laisse dans votre merde! Ah, ciao! Oh non, non, c'est bon, hein, je suis pas venu ici pour souffrir, moi. Non, non, je l'ai eu. Hein. Je l'ai eu. Voilà, Shadow Person. J'ai eu une photo de ce qui a l'air d'être une Shadow Person. Nice! Let's go, on se casse. Normalement, on l'a fini à 100% celle-là. Attention les yeux, ouais. EMF, on est à fond. Température, on est à fond. Photo, on est à fond. Si l'audio, on est à fond, 100%. Let's go, baby! 100%! Ah, ça fait plaisir. Ouais, la patience paye, bien sûr. Voilà, c'était la première... la petite mise en bouche. On va dire ça comme ça. On va enchaîner direct sur les nouvelles missions, le nouveau contenu apporté avec l'update. Voilà, tu vois? Donc, tous ceux qui découvrent le jeu avec cette vidéo, ça vous met un peu dans l'ambiance. Donc, une fois que tu as fait ces 4 missions ici, tu débloques une nouvelle map. Regardez les maps qu'il y a. On a une cathédrale, on a un château, on a une prison, un phare. Et tout ça, c'est pas débloqué encore. On a un manoir, une vieille église. Et on a débloqué cette maison. Et cette maison, dans l'update d'avant, il n'y avait que 2 missions. Apparemment, il y en a une nouvelle. Il y en a une nouvelle, ou même 2 nouvelles, et potentiellement un nouveau fantôme. On va voir ça tout de suite. J'espère que vous êtes chaud. Il coûte que 8 balles. Il est toujours en early access. On est parti. Malheureusement, il est qu'en anglais. Il faut écouter le speech du début. Le speech du début vous donne énormément d'infos sur la salle, sur le type de fantôme, sur plein de trucs. On est parti. Ouais, peut-être Mordor. J'ai reçu un call from this family who was a bit hesitant in sharing many details with me about what they're experiencing. Je traduis après. It is as though they feel like something paranormal is going on in the house, but they don't want to believe it. As the conversation continued, I was able to dig out some information from them. They mentioned hearing what sounds like a person talking with themselves in the laundry area of the basement. The C'est last time they heard this voice, the couple tried their best to determine a rational source to no avail. Yeah, boy. They also mentioned their child, who sleeps in the bedroom adjacent to the bathroom, often wakes up in the middle of the night, occasionally stating their sleep was interrupted by somebody in the room. The parents, again searching for a rational explanation, chalked it up to bad dreams. Obviously, they mentioned it, so I'd follow up on this as well.
I'm sure I'll be able to find enough evidence to support the claims. Comment ça va, Enzo? Merci pour le follow. Salut, Case. Alors, les infos qu'on a, mesdames et messieurs, en gros, ils ont dit, ils ont l'impression d'avoir une présence paranormale dans leur baraque. Ils entendent énormément de sons au niveau de la cave. Merci, Estia, pour le follow. De sons au niveau de la cave. Et ils ont parlé de la bedroom du gamin. Dans la chambre du gamin, qui est à côté de la salle de bain, apparemment, le gamin se réveille et voit une présence. Donc, on a deux salles. On a la cave. Et on a la chambre du gamin. Ok. Tout va bien. Vous êtes chaud ? On est parti. Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte ? Ah oui, c'est vrai qu'on peut ouvrir cette porte. Alors, let's go. Donc là, c'est une nouvelle map. Vous voyez, le jeu est cool quand même. Hein ? Ah oui, je me souviens de cette map. On va fermer la porte. On va commencer direct avec le thermo, je pense. Généralement, je commence thermo, EMF, et après, tu vois, j'enchaîne sur les preuves audio. Mais il faut être assez rapide, parce que des fois, il te met des preuves audio dès le début. Ok. Alors, attends, visitons un peu la baraque. On a le garage ici, je crois. Ouais, c'est ça. On a le garage ici. Ferme la porte. Ok, la cave est là, on ira juste après. Salle de bain ici, et du coup... Putain, la chambre du gamin est là. Ok, merci beaucoup Lila pour ton prime. Merci énormément. Dans l'ombre, mais toujours là. Ah, ça fait plaisir. Des bisous à tous les gens de l'ombre, d'ailleurs. Ok, donc la chambre du gamin est ici, et on a un placard. Ok, on va allumer la lumière, voir s'il nous l'éteint. Qu'est-ce que c'est là ? Placard, s'en fout. Chambre des parents. Okay. Ok. Et regardez ce placard. Regardez la taille du placard. C'est pas mal. Bon, t'as une poutre au milieu, c'est un peu bizarre, mais regardez, c'est pas mal quand même. Ils se mettent bien, hein. La maison est pas ouf, mais le placard est cool. Salut Dave, merci Pendy pour ton follow. Alors. Attendez, c'est pas celle-là, la chambre du gamin ? Non, non, c'est pas celle-là. C'est celle avec le bateau et la Xbox, je pense. Ok, on va aller voir la cave. Ah bah tiens, il me le met là. Regarde, le client a entendu des voix au basement et il a vu quelqu'un dans la chambre du gamin. Ok. Ok. Oh, attendez. Ah mais non, basement. Si c'est un basement, il fait forcément plus froid. C'est pour ça que je suis à 17. Ok, c'est juste, vous inquiétez pas, c'est la chaufferie qui se met en place. On peut allumer les lumières comme ça, en tirant sur le fil. Il est où le fil ? Il y a un fil d'ampoule, là. Mais c'est trop stylé, moi je trouve ça trop stylé. Ah, attendez. Ah, je crois que la température descendait. Alors là, c'est découverte pour moi aussi. Hein. Je sais pas du tout à quoi on a affaire. Eh, la cave, elle est spacieuse de ouf. Elle est magnifique. Tu te fais une salle de streaming et tout. Le mec, il s'est fait une salle d'écoute. Oh, ça a l'air d'être du bon matos en plus. Okay. On va passer sur le MF. On n'a rien au niveau de la température. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. En vrai, la baraque est pas mal. Plein pied comme ça. Pour un couple avec un enfant, c'est pas mal. Mais c'est surtout la cave qui est incroyable. Tu te mets une salle, tu te mets une table de ping-pong et tout, là, tu te mets bien. Alors, EMF5, c'est normal parce qu'on est à côté du disjoncteur. Ah, allez. Non, non. Ok, ça c'est la chaufferie, EMF5. Ouais, c'est ça. Petit coin lecture et tout. Ah ouais, c'est un appart la cave. Hein. Et une fois que ton gamin il devient assez grand pour te casser les couilles, hop, tu lui fais un petit endroit, petite place dans la cave. Et comme ça, il t'emmerde plus. Et on a rien. On va essayer de lui poser des questions. Can you tell me your name? GG Dice Low qui devient Papounet.
GG à toi. Cocorico, mesdames et messieurs. GG. Félicitations au nouveau papa. Merci Estia pour ton prime et ton deuxième mois. Je suivais pas la chaîne, mais visiblement, j'avais déjà claqué mon prime le mois dernier. Ah, c'est la passion, ça, ma. C'est la passion. Is this your home? Tu vois, ce que j'aime avec ce jeu, chat. Non, ok, la chaufferie vient de s'éteindre. Ce que j'aime avec ce jeu, c'est que t'as vraiment cette impression d'enquête. Ok, on n'a aucun bruit. On va passer à. On va passer caméra, chambre garçon. Voir si on arrive à avoir quelque chose. Pour l'instant, il nous met rien ici. Lumière toujours allumée, donc il a rien touché. Oh putain, le reflet. Je croyais que c'était quelqu'un devant le lit. Attends, on va passer thermo, EMF peut-être. Ok, j'ai rien. Là, je suis à 20, c'est normal. On est dans la maison. On a peut-être affaire à un fantôme ultra, ultra, ultra timide. Hein. Ok, on n'a rien. On va peut-être rester à la cave finalement. Merde. Merci beaucoup les amis, ça fait super plaisir. Ah ouais, non mais tu m'étonnes. C'est bien passé, tout s'est bien passé. Si t'es ici heureux, je pense que oui. Écoutez, c'est un démarrage assez lent, mesdames et messieurs. Toujours pas de... Toujours rien à l'horizon. Pas de chute de température. Pas de MF. Pas de bruit. Donnez-nous un signe. Je vais peut-être allumer une lumière pour voir s'il s'amuse à me l'éteindre. Alors, il y a des fantômes qui vous donnent beaucoup moins de MF que d'autres. Ah, il n'y a peut-être pas de fantômes. Hein. Attendez, c'est bien marqué basement. Ouais, basement et bedroom. Okay. Their child. Ah, leur enfant a vu quelqu'un dans leur chambre. Ah, attendez, c'est peut-être l'autre chambre en fait. C'est les deux gamins qui ont vu quelque chose. On va pas fermer la porte, on va juste faire le tour. Donc c'est peut-être les deux chambres. C'est le bordel ici, Thierry. Je suis peut-être dans la mauvaise maison. Ouais, je sais pas, écoute. C'est vrai que c'est un peu long, là. On n'a pas eu un seul son, on n'a rien eu, mais hey, je vous ai dit, hein, le jeu est comme ça. Ok. Je vais vite faire le tour de la maison, on ne sait jamais hein, si on a une température qui descend d'un coup. Je pense pas, mais... Je crois que la chauffeuse s'est remise en marche. Ouais, c'est ça que j'avais entendu. On va peut-être forcer au niveau des questions peut-être. Ouais. Do you know why I'm here? On va en poser 2-3 pour voir. Do you know why I'm here? Je peux pas couper l'électricité. Is there anything you'd like to tell me? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me dire? Is there anything you'd like to tell me? Mm-mm. On a rien. On a rien. Alors, tu sais ce que je me suis dit au début, comme CRP? Je me suis dit peut-être que le client il nous dit de la merde. Mais bon, ça me paraît bizarre, tu vois. Pousser à ce niveau-là. Des bisous.
n'a pas entendu des voix. Bisous, Black Ghoul. Tu veux qu'il dorme comment avec ce bruit de démon? Tu m'étonnes. Et ouais, je peux pas couper l'électricité, malheureusement, regarde. Ça aurait été plus simple, c'est vrai. Peut-être qu'il le rajoutera plus tard. Donnez-nous un signe. Alors, je suis comme vous, chat, hein. Moi, je découvre, hein, donc... Au pire, on relance la mission, parce que... T'imagines, ça a bugué, on attend comme des cons. C'est pas possible. Le client, ouais, le client nous a fait un poisson d'avril. Ouais. Où êtes-vous? Ok, 5, c'est ça. Non mais c'est pas possible, chat, on a rien entendu. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait 10 minutes? On n'a rien entendu. Je veux bien que ça soit immersif, tu vois, et tout, mais... Alors on essaie de forcer dans la chambre du gamin, peut-être? Je pense que c'est leur chambre, mais aux parents. Ah bon? C'est marqué, leurs enfants ont vu quelqu'un dans leur chambre. Et le client a entendu des voix au sous-sol. Donc ça, c'est le tuto. On s'en fout. Allô? Allô? Comment j'enlève ça? Non, 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 je veux pas finir là. À côté de la salle de bain, ils ont dit. La salle de bain, elle est là? Donc c'est forcément cette chambre-là, il n'y a pas d'autre chambre à côté. À mon avis, on s'est focus sur le basement, on va essayer de se focus sur la chambre un peu. La chambre n'est pas très grande, donc on devrait pouvoir choper des différences de température. Le client a un fils ado qui n'est pas sorti de sa chambre depuis 3 mois. Ah non. Il a cru à un fantôme. Là, 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 regarde, regarde, regarde. Là. These temp readings are unusual. Regarde, regarde, je suis à 14. J'ai pas d'EMF. Si, là, EMF 5. Ah, fuck, je l'ai loupé. Là, il était là. Là. These lights are acting funny. Il est en train de se déplacer. Il est en train de partir. Il est en train d'aller vers la cave, peut-être. L'autre chambre. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. On aurait dû se focus sur la chambre, en fait. On va lui demander. Why are you here? Why are you here? Bah, j'ai posé 2-3 questions dans la chambre. Y'a rien. Can you tell me your name? Il a pas l'air très actif, donc ça m'étonnerait qu'il nous réponde quand même. Can you tell me your name? Hmm. Ok, on va rester thermo et EMF. Ok. Là, c'est marqué quoi? Ouais, il nous faut une preuve de chaque encore, tu vois. Ok, c'était par ici, et après, on a eu l'EMF, tu vois. Il s'est déplacé un peu par là. Et je sais pas où il est parti. Peut-être qu'il a disparu. Oh putain d'enculé! Incredible, a photo of an entity. Holy shit! Oh. Oh, il m'a fait mal celui-là. Il est où? Il se baladait au calme dans sa baraque. Un gosse avec les yeux jaunes là. Attendez, il y a des sons, je crois. What was that? I'm glad I captured it with a recorder. Il me semblait que j'ai entendu un son. Oh putain. Oh, j'ai tellement pris cher, chat. Merci beaucoup Didi pour le 7e mois.
Tu vois, moi, je trouve que ce jeu fait plus peur que Phasmo dans le sens où c'est plus l'ambiance, tu vois. C'est pas forcément les jumpscares qui te mettent en PLS. J'ai obtenu une pièce audio. Ok, il nous faut encore une température, un EMF, trois pièces audio. Et au niveau de la photo, il dirait que c'est un ghost intelligent. Puisqu'il m'a regardé, avant de disparaître. Ok. Vous avez vu, donc tous ceux qui ont vu les anciens let's play qu'on a fait du ghost intelligent, c'est pas du tout le même skin. Là, c'est un enfant. C'est peut-être ça qu'il disait, qu'il mettait dans les surprises. Il voulait pas spoil. On va aller faire un tour à la cave un peu. Il a l'air de s'être réveillé, le fantôme. Donnez-nous un signe. Oh, mais quand j'ai vu dans le couloir, mon cerveau, il a mis 15 secondes à dire. Ah ouais, faut être attentif, hein. Où êtes-vous? Can you tell me your name? Fantôme intelligent. J'ai flippé avant car on entendait des bruits de marche sur la moquette. Ah, j'ai pas fait gaffe. Je vais monter mon son. Il m'a demandé ce que je faisais là, mais c'est peut-être mon son qui est pas assez élevé. Qu'est-ce qu'on fait, chat? On tente cave ou on reste dans la chambre? Il a l'air d'être chaud dans la chambre. Il a l'air d'être chaud. Merci, mais la princesse est dans un autre château. Mon vrai nom, c'est Robert. J'aime juste me déguiser en princesse et me mettre des petits doigts dans le cul. Ouais, super. Merci, Zélie. I'll keep that as audio evidence. Il est où? Wow, that's great audio evidence. Ooh, that is eerie audio evidence. Il est où? Il est cave? That's extraordinary audio evidence. Ok, donc normalement on a tout. Ouais, on en a plus que 3. Alors ça, c'est un peu abusé. Tu vois, ça, par exemple, c'est un... Who is that? I'm glad Holy I shit! Recorder. Là, il est là, regardez. EMF 5. EMF meter should not behave this way. This is paranormal. Ok, donc l'EMF, on a assez. Il nous faut le thermo maintenant. Et on a fini la game. Il nous faut un thermo autour des 15 degrés. Je pense qu'on a fini. On a déjà eu la photo. Ah, tu vois, il s'active de ouf. Oh, il a rien fait pendant 10 minutes. Là, il est ultra vénère. Something is going on here. These temperature readings are definitely paranormal. Ok. On est bon, je crois. Hein. Paranormal. Plus de 3. On a la photo. On est bon. On est bon, chat. On peut y aller. Elle était pas mal cette mission, elle était vraiment pas mal. Hein. Putain, il m'a fait peur ce con. Il m'a fait. Normalement, on l'a fini à 100% là. Let's go. La photo, une, ça suffit ou pas? L'audio, on en a eu 5. Let's go, baby! Ça fait plaisir. Si c'est intelligent, il peut donner des VIP. Pas tout le temps, Tenchi, pas tout le temps. Ça dépend. Les ombres sont des fantômes intelligents et elles peuvent pas en donner. Ils peuvent devenir dangereux si tu restes plus longtemps. Non, tu peux pas mourir. Tu peux absolument pas mourir. Et cette mission, elle était ouf. Avec l'enfant et tout, là. Alors, tu vois, si on refait la même mission, ça va être exactement la même chose. Dans le sens où ça va être le même enfant, le même fantôme. Il va pas se passer les mêmes choses au même moment. Mais tu vois, c'est ça que je veux dire quand c'est scénarisé. Et il a dit... À terme, c'était le Little Boy Blue. Ok. On va refaire une mission en espérant qu'il y en ait une quatrième. Je ne sais pas s'il en a rajouté qu'une, je pense pas. Mais par exemple, si vous avez déjà tout fait, donc les 5 missions, si vous faites rejouer, donc vous pouvez choisir la mission, mais si vous faites rejouer, ça choisit une mission aléatoire. C'est sur ceci que je vous laisse. Des bisous, Somono. Eh, tous ceux qui découvrent le jeu ce soir, là, vous en pensez quoi? Yeah. Hein? Ça a quand même rien à voir avec Phasmo. Moi, j'aime bien.
J'aime bien ce changement. J'adore les deux, mais j'aime bien ce parti pris de... Hey, DVD connu, je te mets un screamer dans la gueule, tu vois. J'aime beaucoup. Hein. Ça va faire une jolie VOD, exactement. Allez, on est parti. Je pense que ce sera la dernière game de ce jeu. On est parti. J'espère qu'on va tomber sur la nouvelle mission. Puisque je crois qu'on peut tomber sur les autres. Donc, s'il est dans le garage, on l'a déjà fait. Si c'est une Shadow, on l'a déjà fait. Et si c'est un petit garçon, on l'a déjà fait. Let's go, baby. Visage, ouais, je connais. Il fait très, très peur, visage. Très, très, très. I received a call from this client the other day. They stated that all of a sudden, while sitting in their living room, they started to hear a woman cry. Moi, j'ai déjà eu. They thought momentarily that this was coming from the TV. As they muted the TV, the crying persisted. Being stunned, they tried to decipher where it was coming from. To their astonishment, it appeared to be adjacent to them. After this first occurrence, they have heard other voices whispering things illegibly, as well as hearing the crying again. They stated that the noises have been heard in the living room, the bathroom, and in their bedroom. Both parents have stated they have observed, on separate occasions, what they thought was an object moving through their peripheral vision. They probably would have never given it much thought, but with the other activity they've witnessed, they now believe this is an entity. They just haven't been lucky enough to fully view it. I'm sure I'll be able to find enough evidence celui-là, c'est le Shadow, on l'a déjà eu. And put their minds at ease. C'est le Shadow, on l'a déjà eu, donc on va, on va retourner au menu. Et on va essayer d'avoir la nouvelle. On ne sait pas si on a une nouvelle, mais on va essayer, on va voir. Ah, ok. On va retourner au camion. Si on ne retourne pas au camion, en fait, si tu quittes le jeu et que tu reviens... I'm just not feeling it tonight. Voilà. Et si tu reviens, en fait, il te redémarre la mission en direct. Pas de Holly ce soir, si tu veux, elle est juste là, t'inquiète. Les jumpscares, mais j'ai déjà essayé les jumpscares, c'est pas... Je suis pas fan, tu vois, je trouve que ça sort du jeu. Attendez, peut-être qu'il a ajouté qu'une seule mission, hein. On va voir. On va voir. Au pire, YouTube, tu passeras. Hein. T'accéléreras un petit peu. Alors. À mon avis, on a eu le Shadow. Ouais, on a eu le Shadow, tu vois, ici. Vas-y, on réessaye. Eh ouais, c'est random, c'est random. Et en fait, il a dit que la première map, ce serait un tuto. J'ai reçu un call from this client the other day. They stated that all of a sudden, while sitting in their living room, they started to hear a woman cry. Ok, c'est la même. C'est la même. Je refais un dernier essai. I'll have to get back in touch with the homeowners to reschedule. Maybe I should give it a little. Et si jamais on a re la même mission, on la fera et puis on s'arrêtera. Ça veut dire qu'il en a rajouté qu'une. Des bisous, dormeur. Des bisous. Alors, la mission est bien. C'est juste que voilà, découvrir des nouvelles missions. Mais du coup, il a dit première map, il y aura une mission par fantôme. Et ensuite, il a envie de rendre ça un peu random. C'est vrai que là, c'est scénarisé de ouf, tu vois. Mais il y a du taf, il y a du taf. Comment tu vas, Boutin, tu vas bien? Les pleutres. Allez, on réessaye une dernière fois. This client contacted me a few days back saying they believe they're having paranormal experiences. Ah. They mentioned this has been going on a while, but wasn't sure who to contact. They were telling a friend about what they are experiencing. De nouveau, and the friend recommended they call the office. Which is great, they reached out. Sounds like while they are in the garage, or just outside of it, most of the activity has occurred. The first few times they heard something drop or fall over, they thought nothing of it. Several months have passed by since this commotion first caught their attention. It has now become so frequent, they're convinced it's not rationally explained. On l'a déjà fait, le poltergeist dans le garage. Le problème, en fait, c'est une très bonne mission, le poltergeist dans le garage, mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y a que de l'activité dans le garage. Et en fait, tu te fais vite chier, en fait. Parce que, en fait, tu restes là pendant 20 minutes. Tu vois? Et puis, des fois, t'as des bidons, t'as des trucs qui volent. Bon, et bah écoutez, il a l'air d'avoir ajouté qu'une seule mission, chat. C'est dommage. Il aura mis le temps, il aura mis le temps. Mais écoute, c'est mieux que rien. La mission était vraiment pas mal. Ah non, mais je vous ai dit que c'était un jeu scripté. Ne faites pas vos mijaurés. Comment tu vas, le tacos? Tu vas bien? À la forme. Je vais relancer une dernière fois pour voir. Et puis ensuite, on se fera la mission. On se fera la mission du démon. Parce que la mission du démon, elle est cool. Let's go. Il y a eu un petit bug au niveau de l'écriture. Ah, je pense pas qu'il y en a de nouvelles. Comment tu vas, Kuki? Tu vas bien? Ça fait un bail. I received a call from this family who was a bit hesitant in sharing many details with me about what they are experiencing.
It's as though they feel like something paranormal is going on in the house, but they don't want to believe it. As the conversation continued, I was able to dig out some information from them. They mentioned hearing what sounds like a person. Ah, ça c'est celle du petit garçon. Putain, ça a bugué, regardez. Ça a bugué. I really need to get some sleep. Et si ça a bugué, on va s'arrêter. Ou alors on va relancer le jeu. Ok, donc il n'y a que 3 missions. Il a rajouté juste une mission. Et bah écoute, on va se faire la mission du démon. Parce qu'elle est grave cool. Ouais, on a parlé de la mise à jour de Phasmo QI. Jamais vu la mission du démon, vous allez voir. Ça se passe dans la cave de l'autre baraque en plus. Donc ça, c'est assez cool. Ah, par contre, ça a bugué. Regardez, l'écriture a bugué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter le jeu. Je vais relancer. Et on est reparti. Eh, il faut prendre, vous voyez, le mec est tout seul, il prend son temps. Écoute, on se fera du coup. Il s'est passé quoi? Il s'est passé 2 semaines entre le pour. Je veux dire avoir une nouvelle mission, une petite mission toutes les 2 semaines, pourquoi pas. Mionel, comment tu vas? Ça va très bien, Mionel, très très bien. Allez, on est parti. On va se faire la mission du démon, puis on va s'arrêter là. C'est pas mal. Partira sur Fastpo histoire de se trouver Stobaké et de voir la nouvelle Willow aussi. Alors, le démon, il est ici. Et Ghost on Fire, c'est ça. Celle-là, elle est cool. Celle-là, elle est cool. Comment tu vas, Jacko? Tu vas bien? Jeu sur Steam, ouais, il est à 8 euros. J'ai reçu un appel d'une très concernée mère la semaine dernière. Elle voulait. Over the past few months, the two youngest who share a room say they hear scary noises from their closet. These noises are constant and very disruptive to the family sleep. Qui est dans les placards? The oldest, who has her own room, hasn't mentioned anything, but is very reclusive. Mom mentioned that she has challenges with her oldest child, but chalks it up to her being a teenager. She also stated that her husband heard what sounded like a beast. Basement. I'm okay. Sure I'll be. Pardon, je coupe. Là, je ferme. Basement. Donc dans la cave et dans le et dans les placards des gamins. Alors, on va commencer cave. J'ai envie. Let's go. La cave, c'est des bonnes ambiances. Putain, ça fait peur. Ça. Y a pas un bruit, quoi. Donnez-nous un signe. On va lui poser une question. Can you tell me your name? Des bisous à ceux qui passent. Wow, that sounded Let's like go, a baby. Response. That is very interesting. Est-ce qu'il peut nous dire un autre truc? Do you know why I'm here? Do you know why I'm here? Putain, first try. On a eu de la chance là, first try. Hein. Ok. First try. On va... Attendez, je vais activer la vision nocturne. On va passer sur le thermo. First try. Bon bah ça c'est fait. Ah, j'aime bien le démon parce que ça a l'air d'être un des seuls fantômes qui répond un peu aux questions que tu lui poses. On va aller voir. On va aller à l'étage. Il y en a qui n'ont pas vu l'étage. Ils ont dit dans les placards des gamins. On va éteindre les lumières pour plus de d'immersion. Let's go. Allez, montre-moi les placards des gamins. Là, regarde, regarde. 15. J'ai 15 là. 14. Allez! What the fuck? Il a pas... Il a rien dit au niveau de la température. Non mais tu te fous de ma gueule. Oh! Il se fout de ma gueule. Il a rien dit. MF, j'ai rien. Tu vois, il y a des fois, s'il y a des petits bugs comme ça. Et on va retourner à la cave. Allez, ouvre la porte.
Où êtes-vous? Je peux pas l'ouvrir celle-là, je crois. Putain, c'est moi qui clique dessus, je sursaute quoi. Comment tu vas, Scorpio? Tu vas bien? Évitez de spoiler, chat. Soyez pas des sacs à merde, s'il vous plaît. Respectez-vous. Pour les gens qui découvrent. Et on a rien. Ah, je suis quand même dégoûté. Il me l'a pas noté, la température. Il aurait dû, normalement. Bon, tu vas, Joe? Ah, ça va très très bien ici. Hein. Très très bien. Ça fait toujours plaisir de rejouer un peu à ce jeu, tu vois. Et vous allez voir que quand on va lancer FASO après, tu vas voir le sentiment va être différent. Je sais pas. Ok, nice. On a la chaufferie qui s'éteint. Où êtes-vous? On n'aura pas de température à la cave. Je pense que la température, c'est vraiment que dans les placards des gamins. On peut réessayer un PVE. Is this your home? Is this your home? On en essaye un deuxième vite fait. Why are you here? Ça j'adore, ils vont le mettre dans The Huntings, les PVE. Why are you here? Ah, il a pas envie de nous répondre. Il a pas envie de nous répondre. Si vous entendez du bruit, vous me le dites, s'il vous plaît. Ils sont en train de détruire une maison à côté de chez moi. Donc n'hésitez pas à me le dire. Normalement, ça devrait aller. On va aller voir à l'étage. Avec le thermo. Alors. Là. Merci. On va essayer d'en avoir deux d'un coup. J'ai cru entendre une porte. Ah non, c'est la chaufferie. Okay, c'est juste la chaufferie. Non, c'est pas... Quand je dis des phrases, c'est juste pour animer le stream, tu vois. Le fantôme t'entend pas. Allez, là, j'ai une temple. Tu me la mets? Oh! Il a pas envie de me la mettre. Calmez-vous. Bon, est-ce qu'il peut me mettre un EMF au moins? Ah, c'est bon. These temperature readings are definitely paranormal. Ok. Donc, température, on est bon. Il nous reste 3 preuves audio, la photo. Et 2 EMF. Ok, EMF, on va aller en bas, je pense. On va essayer de focus un peu en bas. Si on peut avoir une apparition, ce serait cool. Ouais, non, Pimous. Juste comme ça. Donnez-nous un signe, tu vois, ça... Puis si jamais il se passe un truc au moment où je le dis, c'est rigolo, tu vois. Mais en vrai, non, il entend pas. Et en tout cas... J'ai entendu un bruit. J'ai entendu une boîte qui tombe ou un truc. Alors, en tout cas, je sais pas où ils habitent aux États-Unis, mais les caves, elles sont incroyables. J'ai pas de cave comme ça, moi. On va essayer de pas bouger. Ça avait bien marché la dernière fois pour l'ombre. Avec la caméra, là. Chaque fois que j'utilise le spirit, il me chasse. Ah ouais? Et il a pas envie. Il a pas envie. Je me souviens que la première fois qu'on a fait cette mission, je crois qu'en 10 minutes on l'avait torché. Il était méga chaud. Là, il a pas envie ce soir. Je crois qu'il s'était montré dès le début en plus.
Là, j'ai entendu un souffle. Ah, ça a l'air d'être des bruits d'ambiance, ça. Hein. Ça va pas... Holy shit. Est-ce qu'on a un EMF, là? Attends, EMF, c'est 4. Vas-y, mets-nous un EMF. Attendez, on va lui poser une question. Can you tell me your name? HP. Merci beaucoup, HP, pour ton troisième mois. Can you tell me your name? Il a pas envie. Hein. Il a pas envie. Hein. Hey, les fantômes ont pas envie ce soir. Où êtes-vous? C'est trop frustrant parce que des fois j'arrive pas à dire si c'est un son de l'extérieur ou si c'est un son dans le jeu. Vas-y, je vais retourner à l'étage. J'ai la flemme de fermer, on va faire le tour. Et ils sont fatigués un petit peu. C'est pas grave, ils vont se rattraper sur Phasmo, t'inquiète. Pas de MF. Ouais, à mon avis, c'est vraiment juste la température. Ouais, tu vois. C'est juste la température. À l'étage. Je pense vraiment pas qu'on ait deux MF. C'est l'inverse d'Obsidio, ce jeu, tu vois. Obsidio, il y a énormément d'interactions. Ce jeu-là, il y en a pas beaucoup. Par contre, quand il y en a, c'est la PLS absolue. Oh, c'est pas moi qui ai allumé, là. Attendez, attendez, il se réveille, il se réveille. Il commence à allumer les lumières. Il faudrait que la chaufferie... Il a acheté un caillou? J'ai entendu un truc. Ok, j'ai un EVP et une audio. J'ai pas de putain de EMF. Ça, c'est chiant, par contre. Attends, fais voir les démons. Est-ce que les démons, ils mettent des EMF? EMF Spikes. Eh ouais, normalement, c'est marqué. Attendez, chat, il se vénère, là. Il se vénère. Il commence à nous allumer les lumières dans tous les sens. Hein, j'ai pas eu le temps, là. S'il aime la pizza. Holy shit! Bah, j'étais pas prêt. Oh, j'ai des frissons partout. J'ai des frissons partout là. Où êtes-vous? Là, EMF5. Là, j'en ai un là. Il est où? Il est où? Putain, il s'est barré! Non, non, c'était pas le. C'était pas le. Ouais, voilà. C'est bon, il l'a eu. Quoi ces bruits là? Il va se montrer devant nous, on va rien comprendre. Là. Il est où? VMF meter should not behave this way. This is OK, le EMF c'est fait. Il nous reste encore deux preuves audio et une photo. Putain, la soufflerie qui vient de s'éteindre. C'est là qu'on commence à chier dessus. Donnez-nous un signe. Why are you here?
On dirait le son de l'écriture de Phasmo, ouais. Why are you here? Là, il nous a répondu une fois, il veut plus nous répondre. Où êtes-vous? Alors ça, c'est du son d'ambiance. Je suis tellement crispé, vous avez même pas idée. Tu sais que ça vient. Tu sais que ça vient, mais tu sais pas où, tu sais pas quand. Oh putain, c'est la chaufferie. Eh, c'est mal isolé ta baraque. T'as la chaufferie qui se lance toutes les deux minutes. T'as vu ce bruit là? On dirait un bruit d'écriture ou... C'est trop bizarre. Allez, il nous manque la photo là. Il faut te montrer, monsieur. Il est où cet énergumène? On va focus la photo, je pense. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque, la photo. Attends. Des sons dans le basement et des voix dans les bedrooms. Des sons faits. On reste ici ou on essaye de monter dans les... Montrez-vous. Montrez-vous! On va réessayer la technique de l'ombre là. On va se mettre comme ça dans le noir. Et on va essayer de pas bouger. Voir s'il nous donne quelque chose. Ouais, les bruits, on dirait des rats, je sais pas, un truc qui frotte. Oh, putain, il est allumé là-bas. Et il s'était bien excité et puis il s'est calmé d'un coup. Hein. Il s'est calmé. Ouais, enlever la vision nocturne, ça sert à rien. Allez, monsieur. Allez, il nous faut une photo et après, je vous laisse tranquille, monsieur. Allez. Où êtes-vous? Je vais aller voir l'étage vite fait. Wow. Holy I'm not shit. Sure what's more impressive. I took the photo or I'm going to survive this. Ok. Et il s'est pas matérialisé entièrement. Je crois qu'on est bon. Hein. Démonique. Ouais, c'est ça, démonique. Je pense qu'on est bon au niveau des audios aussi. Ouais, ouais, c'est... Là. Holy shit. What's more impressive. I took the photo or I'm going to survive this. Voilà. Voilà, là il s'est matérialisé à fond là. C'est Ghost Rider. Hein. That was a very unusual noise. I will keep that as evidence. OK, on y va? Ouais, c'est vrai que le démon, je trouve que c'est le moins réaliste, tu vois. Quand tu le vois pour la première fois, ça te fait peur évidemment, mais ça te sort, je trouve que ça te sort un peu du jeu le mode Ghost Rider, tu vois. Mais voilà, voilà, c'était le démon. Mesdames et messieurs, Fireball, voilà, un fan de Pitbull, exactement. Fireball. On est bon. Alors, je sais pas si on va l'avoir à 100%. On a eu que 3 preuves audio et un EVP. Je pense que oui. On va voir. Ça va être au niveau de l'audio, je pense, le problème. Let's go. Le petit garçon. Ouais, le petit garçon fait plus peur, tu vois. Mais bon, il fallait que je vous montre le démon quand même. Bon, et ben voilà, c'était pas mal. Donc la mission qu'ils ont rajoutée est unique et elle est vachement bien, j'ai bien aimé. Écoute YouTube, tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires. Si jamais tu découvrais ce petit jeu avec cette vidéo, en tout cas moi, je kiffe, je surkiffe. J'ai vraiment hâte qu'ils nous refassent une autre update. Tu peux être sûr qu'on testera les nouvelles missions, les nouvelles cartes. Pourquoi pas à nouveau Fantôme, voilà, n'hésite pas à partager, commenter, liker, à venir nous voir sur Twitch. C'est là qu'il y a les meilleurs, tous les liens en description. Prends soin de toi, des bisous.